Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Ce passage tiré de 1 Corinthiens 3, verset 12, a été mis en pratique par les fidèles de l'église des assemblées de Dieu de Yopougon-Niangon, temple Christ vivant, annexe du temple La Victoire. C'était le dimanche 9 avril, au cours d'un dîner gala intitulé « Dîner gala, bâtisseur du royaume », acte 1. Pour le pasteur hôte Isaac Dapré, ce gala a pour objectif de mobiliser des fonds pour l'achat d'un terrain de compensation. Le site sur lequel nous sommes est un site du département des femmes de notre église, dénommé AOC Affaires de l'Église de Christ. Et donc, nous y sommes, nous pouvons faire certaines choses, mais n'ont pas vraiment la liberté de partir pendant que nous n'avons pas pu acheter un terrain de compensation de l'AOC. Alors nous avions déjà payé un peu plus d'un tiers, et donc l'autre moitié, l'autre partie qui restait, était important de mobiliser les frères et les sœurs pour que nous puissions avoir assez fonds. On a voulu m'y mettre la manière, rompre les habitudes traditionnelles et autour d'un dîner, autour de la nourriture, autour des partages, permettre aux uns aux autres de faire parler leur cœur et de contribuer significativement. Placé sous le patronage du pasteur Jean-Marie Thiaco, le pasteur principal du temple Victoire de Yopougon a dans son serment sur le thème « Le Seigneur en a besoin » tiré de Luc 19, verset 34, indiqué que l'intitulé du gala ainsi que le jour du 9 avril 2023 marquant la célébration de la Pâque chrétienne ont une portée prophétique. Alors lorsque le Seigneur a besoin de quelque chose, qui peut nous résister? Le Seigneur a envoyé donc ses disciples pour préparer la Pâque et il était question aussi dans les événements qui ont entouré cette Pâque que le Seigneur envoie les disciples chercher des ânons pour pouvoir le faire entrer à Jérusalem. Ânons sur lesquels il allait monter et le Seigneur n'en avait pas lui-même. Mais il est allé emprunter, il est allé prendre quelqu'un d'autre. Et il savait que le propriétaire de la chose allait résister et allait poser des questions parce que ce n'est pas facile de donner ce qui t'appartient. Mais quand le Seigneur voyait ses disciples, il dit, quand on vous demandera, mais pourquoi vous prenez ce qui ne vous appartient pas? Dites-lui, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur dit, veut dire Kyrios, veut dire le maître, veut dire le propriétaire. Et Jésus-Christ est le propriétaire de notre vie, mais de tout ce qui nous appartient. Il en a besoin. Il a besoin de ta vie, mais il a besoin de tout ce qui t'appartient, de ton argent, de ton compte en banque, de ta contribution. Ce soir, nous sommes en ce lieu pour réunir cette somme de 15 millions parce que le Seigneur en a besoin. La soirée a été marquée par des temps d'offrandes, de prestations d'artistes comme Onel Mala ou encore Rebecca Niafou, la vente aux enchères des livres saints. Le pasteur Dapré a tenu à remercier les donateurs à travers des trophées de distinction. Et puis, la soirée fut belle. En tout cas, la présence des choses a égayé tout le monde et puis ça a embelli la soirée. Je rends gloire à Dieu pour ce trophée. Ce soir, je suis heureuse de l'avoir reçu. Et puis, que Dieu, dans sa bonté, continue de bénir son œuvre. Vivant, ce pourquoi il a permis ce moment que réellement les choses se concrétisent. Il faut dire que la cagnotte est toujours ouverte pour tous ceux qui veulent apporter leur pierre à l'édifice. Que tu sois chrétien ou pas, il faut savoir que donner à Dieu, c'est un principe spirituel. Et Dieu dit celui qui donne dans son royaume, il le recevra aussi. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé.
Alors, je pense que c'est l'occasion belle pour vous, chers frères et sœurs, d'investir dans le royaume de Dieu, là où il n'y a pas de ruine, il n'y a pas de gain, là où votre investissement est sécurisé et en retour, vous recevez des grâces et des faveurs imméritées, la protection de Dieu, la grâce de Dieu dans vos affaires. Le Seigneur fera prospérer votre entreprise. Alors, si vous investissez dans l'œuvre de Dieu, Dieu aussi s'investira dans votre vie. Alors, les contacts, vous pouvez nous contacter au 07 58 71 90 15, pardon. Et je réponds 07 58 71 90 15 et le 05 06 39 66 26. Merci.